Fiona est voyante. Cette nuit, elle propose des consultations. Le restaurant est réputé pour ça. Cuisine raffinée et voyance, une formule qui marche dans les beaux quartiers parisiens. La première cliente ne croit pas du tout à la voyance. Mais face à Fiona, elle va aller de surprise en surprise. Quelques secondes de concentration, un jeu de tarot, et la médium va avoir une première vision, plutôt étonnante. Qui a des problèmes d'eau dans la maison? De l'eau? Des problèmes d'eau? Oui. Il n'y a pas eu des changements dans la salle de bain, il n'y a pas eu... Hein? Non. Vous êtes très forte. Pardon? Vous êtes très forte. Ah bon? Merci. Qu'est-ce que vous avez vu, l'eau, salle de bain, eau? Oui, je vois ça. Mais c'est hallucinant. Pourquoi chez vous, il y a eu ça? Hein? Oui, je sais. J'ai eu une fuite d'eau avec mes voisins du dessous, mais ça prend des proportions qui ne devraient pas être, et voilà. Fiona a 60 ans. Elle affirme avoir ce don depuis son enfance. Elle le devrait à sa famille. Avant elle, sa mère et sa grand-mère avaient également des visions. C'est par flash. C'est quand je suis dans l'individu, dans la personne, quoi. Il y a des choses qui me viennent, des images, c'est comme si j'entendais. Amour, travail, argent. Ce soir, la médium va multiplier les prédictions. Les clients sont aux anges, tout comme les gérants du restaurant. Quand ils ont lancé ces soirées voyance, ils n'imaginaient pas un tel succès. Les gens souvent nous appellent, quel est le jour de voyance, alors qu'ils ne nous connaissent pas. Juste parce qu'ils savent qu'il y aura une voyante, voilà, c'est rentré dans les mœurs. Je vous en prie, merci. Ce soir, Fiona fait un tabac. Même la chanteuse Myriam Abel est curieuse de connaître son avenir. Oh, alors là, Myriam, il y a une évolution terrible en 2013. Ah ouais? Très, très fort. Vous n'attendez pas des contrats, là? Il y a un truc avec l'étranger, également, qui devrait arriver là. Ouais. Non, pour parler, ouais, j'aimerais bien que ça se fasse. Ah, c'est pour parler. Il y a deux personnes qui vous en ont parlé. Hein? Ouais. Je vois ça. Mais c'est vrai que c'est à l'étranger, ouais. Oui, si vous le faites, c'est près de l'eau. Hein? Je le vois. Cette nuit-là, Fiona aura donné près de 20 consultations. Une activité très rentable. Par soir, en moyenne, les restaurants qui font appel à elle la payent jusqu'à 500 euros.